Salut à tous, c'est Jean-Laurent et on se retrouve cette semaine pour le championnat de figurines. Donc vous avez été quelques-uns à me demander ça plutôt que les cartes ultra rares. Donc je suis content, ça va changer un peu et puis j'espère que vous allez être toujours aussi nombreux à voter. Je sais qu'il y a la sortie de Pokémon Ruby Omega et Saphir Alpha, donc peut-être que vous allez pas, enfin voir moins de vidéos et plus jouer, ce qui est compréhensible puisque je vais faire pareil je pense. Mais je vais quand même faire cette vidéo, donc dans la poule 1... Nous avons 4 figurines, je vous les présente. Torterra, donc Pokémon de la génération de Diamant et Perle. Voilà, donc je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, donc Torterra. En deuxième, Magmar. Voilà, Pokémon mythique hein, de la première génération, évidemment. Plutôt sympa. En avant-dernier de cette poule, Insécateur, également de la première génération. Voilà, ce sont toutes des Takaratomi. Et pour finir, un Galeking de Ruby et Saphir. Qui peut méga évoluer maintenant. Donc il faudra peut-être que je trouve sa méga évolution en figurine, ce serait cool. Donc voilà. Alors évidemment, je vous les mets là. Donc vous votez poule 1, vous tapez dans les commentaires. Et vous mettez vos deux figurines préférées qui sortiront donc des poules. Voilà. Donc ça, c'est la première poule. Ensuite, seconde poule, nous avons un Alakazam, première génération. Lui aussi, il est vraiment très stylé. Hein. Voilà, je vous montre de dos. Voilà. En deuxième, un Etouraptor de Diamant et Perle. En troisième, Scarabrut, première génération également. Et en tout dernier, un Élécable de Diamant et Perle que Paul a dans l'animé avec un combat mythique contre Pikachu. Je ne sais pas si vous avez vu cet épisode, mais il est stylé. Donc voilà. Et donc vous marquez dans les commentaires en poule numéro 2 les deux Pokémon que vous voulez voir sortir. Voilà. Donc poule 1, vous voyez derrière vous, enfin au deuxième plan, et poule 2. Voilà les 4 Pokémon. Donc je voterai moi, donc vous pouvez prendre mon commentaire en exemple. Et je remercie vraiment à l'avance ceux qui vont participer, donc ça pourrait être cool, on va voir ce que ça donne. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour connaître les vainqueurs de ces poules. Salut à tous!